Attends. Allez, qu'on en finisse. Allez. Non, on va le faire. On va faire une grande statue de 2 mètres en bronze. En gros, ils nous menacent de nous liquider, de nous liquifier. Ils sont en train de manger la pizza surgelée. Arrêtez les gars, c'est pas bien. C'est pas mal. L'atelier a encore moins que zéro. On doit la TVA de 1 an. Je pense qu'on a les 90 000 de dette. On est pas vu lancement pour la démolition, vous m'entendez? Mais on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, on a fait ça 1000 fois. Non. Si les défis que vous vous donnez, ils sonnent pas impossibles, ça sert à rien de vivre. À la fin de cette année, avant que chacun aille fêter Noël en famille, l'atelier est allé à Paris. Nous sommes même montés sur la tour Eiffel. En haut, Missor nous disait que la mission de l'atelier était de surpasser Eiffel. Il nous disait que Monsieur Eiffel devait bien se retourner dans sa tombe, de savoir que 100 ans après lui, personne ne l'avait surpassé. Il avait construit un monument qui avait touché le monde entier en plein cœur. Un monument qui disait aux gens qu'il était bon de vivre. Et aujourd'hui, plus personne ne leur disait cela. À l'atelier, nous fabriquions de belles statues. Mais même dans nos rêves les plus fous, rien de ce que nous faisions ne semblait aller dans la trajectoire qu'avait empruntée Eiffel. Nous qui voulions montrer au monde de quoi l'humain était capable, nous comprenions que nous n'étions pas encore sur le bon chemin. C'était le savoir perdu du bronze qu'il nous fallait retrouver. Il y a quelque chose dans le bronze. Nous ne savons pas quoi, mais il y a quelque chose. Cette fin d'année, notre atelier niçois fermera et nous ouvrirons un atelier à Paris, car ce n'est qu'à Paris que nous pourrons travailler sur de grands projets. Nous ne fabriquerons plus certaines de nos statues et nous délaisserons peu à peu le plâtre. C'est le destin de l'atelier.